Bonsoir l'équipe, j'espère vous allez bien. Dans cette vidéo, on va pas faire du brisage, ni craft à femme. Plutôt, on va faire du drop spécialement pour les mecs qui jouent en team. Moi perso, je suis pas fan du drop, puisque ça prend beaucoup de temps. En plus, c'est chiant, tu dois chaque fois passer les tours de tes persos. Enfin, c'est pas fan quoi. En tout cas, pour moi. Par contre, il y a beaucoup de gens qui commencent le jeu avec une team BL genre niveau 50. Il n'a pas de karma pour craft ni pour FM ou faire du brisage. Je vais vous montrer une astuce karma drop accessible pour tout le monde. Bon, moi je joue solo, mais on va compter. C'est comme j'avais 4 persos, donc voilà. On va dropper cette ressource là. Je vais vous montrer rapidement. Mort. Voilà. Nouvelle mort. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais bon. Ça coûte 5 500 de karma l'unité. Voilà. Ça se drop uniquement dans cette zone-là. Ça se drop uniquement là. Donc, voilà. La zone, elle est niveau 40. Donc, c'est accessible pour tout le monde. En plus, tu peux mettre les idoles facilement, sans difficulté. Donc, voilà. Moi, perso, je vais mettre une panoplie prospection. Voilà. Voilà, une panoplie prospection. Attendez un peu, je vais changer ça. Je vais mettre Calyptus. Allez, tananana. Blablabla. Je ne peux pas mettre ça puisque j'ai une panoplie. Je vais mettre ça, et voilà donc. J'ai mis une panoplie prospection. Ça donne à peu près 600 prospections. Je pense aussi, j'ai une bonbon de prospection. Je vais pas le mettre, je pense. Je vais aller comme ça. Attendez un peu, blablabla. Prospection. J'ai presque 600 prospections. En plus de ça, dans cette zone-là, tu peux mettre les idoles facilement, sans difficulté, puisque les mobs, ils sont niveau 40. Donc, c'est parfait. Je vais mettre ces idoles-là. Voilà, full Yosh, Dynamo Majeur, Dynamo Magistral, et Niki Nico. Voilà, c'est score 300. Je vais faire une session de drop 1 heure, donc elle est 9h je crois, 21h pardon, elle est 21h pile, donc on se retrouve après 1 heure. Voilà l'équipe, on est fini, ça fait 1 heure du drop. Franchement, c'était vraiment rapide. On va checker l'heure. Voilà, c'est 22h. On a commencé à 21h. Donc, voilà. Franchement, les combats sont ultra rapides. C'est vraiment rapide. Je vais faire un combat avec vous. Putain, je suis full pots. Voilà, les combats sont ultra rapides, vous allez voir. On va faire le challenge. Voilà. D'ailleurs, je fais aucun challenge, je passe directement, je casse pas la tête, mais pour cette combat, on a fait un challenge juste comme ça. Voilà, c'est ultra rapide.
Voilà, ça prend 25 secondes maximum. Voilà. C'est bon, on est fini. C'est pour 38 secondes. Donc. On a fait. D'ailleurs, il y a une ressource qui coûte aussi cher. C'est les plumes de Tofu Magnifique. 115 000. Car moi, j'ai 61 plumes. Donc, c'est pour 115 000. Car moi. Et les nouvelles morts, 350 000 kama. Putain, c'est ouf, 350 000 kama. Sachant que les mobs, c'est de la merde. C'est accessible pour tout le monde. C'est facile, c'est rapide. Il y a zéro difficulté. Tu peux mettre les idols. N'importe idol, même, je sais pas, n'importe idol, ça passe rapidement. Donc, 350 000 kama. Plus 115 000, donc 400, donc 450, plus le 15, 450, donc 465 000 kama. Si on multiplie ça par 8, 465 000 kama fois 8 persos, ça fait 3 millions 7 par heure. 3 millions 7. Putain, 3 millions 7 par heure. C'est vraiment facile et simple. Donc, voilà. Si t'as aimé la vidéo, mettez un like. Abonne-toi sur la chaîne pour d'autres astuces comme moi. Donc, voilà. Allez, bonne soirée tout le monde.